definition, I can go. J'étais encore une fois sur mute. C'est rendu une malédiction d'être sur mute. j'y ai bien pensé. OK. Donc, ce que je disais, Martin, c'est qu'on a on n'a pas sacrifié rien ce matin. Hein. On a oublié de sacrifier quelque chose. Fait qu'on a des problèmes à démarrer aujourd'hui. Donc, attendez un petit peu. Là, je pense qu'on ne voit pas Martin. Donc, je vais faire juste une petite correction ici. Désolé, là, on a eu Martin a eu des problèmes avec son laptop. T'es obligé de redémarrer quelques minutes avant la diffusion et on a eu des problèmes à réactiver les la caméra en fait pour Martin. Donc pourquoi que je la vois pas? Est-ce que je l'ai mis ici? Ce sera pas très long pour ceux qui sont avec nous. OK, t'es revenu, Martin. Bon, enfin, désolé, ça fait une drôle d'introduction. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vois qu'il y a des gens qui ont déjà signifié nos problèmes dans le chat. Là, je vois, j'ai pas accès au chat à part qu'à l'écran. Martin, tu le vois-tu de ton côté, le chat? Non. Je vais aller dedans ici. OK. Je suis sûr que ça dérange pas ce qu'on voit à l'écran. Non. OK, je pense que c'est bon. Excellent. Donc, désolé ces petits pépins. Martin, ça va bien, malgré tout? Ben oui, ça va bien. On a eu chaud un petit peu, là, avec... Oui. Ben c'est ça, c'est la beauté des applications là, qui s'update automatiquement sur nos ordinateurs, là, principalement sur les Mac. Ouais. Donc, c'est ça. Et puis, étant à distance et tout, ben, là, c'est la joie des caméras virtuelles pour faire nos petits effets visuels. Donc... résolu, sommairement. Là, j'aimerais ça savoir, les gens qui sont en ligne en ce moment, est-ce que le son se suit bien? Là, surtout pour Martin, moi j'ai comme l'impression que c'est décalé, là, mais je veux savoir si tout est beau. Peut-être dire juste dans le chat s'il y a un petit problème ou si c'est bon avant de continuer. OK, on me dit que ça marche. Ah, parfait. Je pense que c'est bon. Donc, excellent. Écoutez, pour ceux qui n'ont jamais fait de live, il y a toujours une pression qui vient avec ça, hein, Martin, depuis 11h30, en fait, qu'on est branché, qu'on essaye de tout ajuster ça. Martin, tu l'as dit, je pense que les fameuses mises à jour, tu sais, en fond, on est en technologie, on aime ça être à jour, mais on vit la situation, on vient de la vivre en ce moment. Là. Une simple mise à jour a pratiquement tout cassé, ce qu'on avait monté, qu'on avait pris le temps de monter depuis quelques jours, en fait. Excellent. Donc, en début, avant d'embarquer dans notre flow habituel, je voulais vous parler d'un petit article que j'ai lu. Je ne sais pas si vous voyez bien ici à l'écran. Le magazine Wired. Je me suis abonné. En fait, je pense que tout le monde a eu le spam de Wired au début de l'année. Je pense dans le temps des fêtes. Il offrait un abonnement à 5$ pour l'année. Fait que j'ai sauté sur ça. Je me suis abonné. J'ai reçu le dernier, dernièrement. En fait, je suis un habitué de Wired dans les avions surtout.
Tu sais, Martin, quand on part en avion, on n'a pas toujours accès à l'électronique. Il faut fermer nos choses. Fait que moi, j'en profite pour lire cette revue-là. Et je trouve les articles super intéressants. Bref, c'est du monde. Ça parle de technologie sans être trop être deep, là. Et ce mois-ci, en fait, je vais passer en plein écran ici. Donc, ce mois-ci, on parle en fait de. C'est un article sur l'histoire du hacker, en fait, qui a stoppé le virus WannaCry. Un virus qui a fait énormément de dommages sur la planète. Je pense que c'est estimé à plusieurs milliards de dollars. Donc, Marcus, en fait, dans le magazine Wire, on raconte son histoire de où il est parti, Marcus. Et en fait, je vous montre une autre petite image ici, là. Image que j'aime ça. J'aime bien cette image-là. C'est l'image qui représente en fait ce que c'est le web, ce qu'on voit du web aujourd'hui. Donc, on voit la surface, ce qu'on quand on navigue, on cherche sur Google, mais bon, il y a la portion Deep Web qui est la portion sécurisée, la portion pour lesquelles les compagnies ont des données sécurisées en arrière, mais tu as toute l'énorme Dark Web. Et en fait, Marcus raconte son histoire. Marcus a commencé comme hacker dans le Dark Web, mais sans vous conter le punch de l'histoire, parce que vraiment, l'histoire est super bien écrite. Donc, Marcus a commencé là. Il s'est avéré à un moment donné à trouver la recette pour bloquer WannaCry. Et le FBI a embarqué là-dedans. Donc, vous lirez l'histoire, là. C'est vraiment super intéressant. Martin, t'as-tu lu l'histoire ou? Non, non, j'ai Non, t'as pas pas, lu. non, non, j'ai pas eu cette chance-là, mais là, tu me donnes le goût, de la manière dont tu l'écris. Exact, exact. Donc c'est ça. Donc, OK. Donc, si on poursuit, je vais juste vérifier si tout est beau. Si tu vois quelque chose passer dans le chat, là, j'ai pas le chat en live en ce moment, là. Ok, je vais me je vais essayer décaler, là, si jamais tu vois d'avoir quelqu'un. ça. Je pense que Ben c'est ouais. bon, là. J'ai posé la question tantôt, savoir s'il y avait des problèmes de son. Je pense pas qu'il y ait personne qui a répondu. Bref, faut croire que c'est bon. OK. Donc, pour ceux et celles que c'est la première fois qui se joignent à nous, en fait, toutes les vidéos sont archivées sur YouTube. Donc, je peux mettre le lien dans le chat, juste ici. Le son est bon, merci Eric. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, tout est archivé. Le dernier épisode que moi et Martin et Fon, on a fait en passant, et je pense, Martin, tu y es pour beaucoup, là, on a fracassé tous les records d'écoute. Donc, pratiquement doublé les écoutes. Donc, c'est super. Donc, merci à tout le monde. C'est encourageant pour nous autres. Je pense que la formule est encourageante, Certainement, Martin. certainement. Oui, ça donne le goût de Exact. continuer. Exact. Au niveau maintenant, pour ceux qui joignent, qui voudraient être notifiés aussi des épisodes, parce qu'en fait, on devait faire un épisode, Martin, la semaine dernière, mais on a eu un événement le jeudi, le Rogue, qui nous a tenus toute l'après-midi en vidéoconférence. Donc, on s'est dit, repoussons l'épisode une semaine. Mais si vous voulez être notifié, vous avez juste m'envoyer un courriel pour vous abonner à la mailing list et j'envoie des rappels 2 jours avant. La prochaine diffusion. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un service gratuit. Puis, inquiétez-vous pas, je vous spammerai pas avec ça. C'est vraiment juste pour vous notifier des prochains épisodes. Martin, tiens, je te laisse-tu présenter la prochaine section, les prochains événements. Je vais copier en fait les liens des événements pendant que tu les mentionnes. Oui, ben oui. Ben en fait, les prochains événements, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'en vient? Des workshops, hein? Plusieurs workshops, ceux qui veulent pratiquer nos technologies. Entre autres, on a dès la semaine prochaine, 3 juin, OpenShift, atelier sur Quarkus Runtime. Si, bon, juste une seconde écart sur Quarkus. Écoutez, ceux qui font du Java aujourd'hui, vous déployez une application dans Kubernetes, OpenShift, qu'est-ce que vous allez remarquer souvent? C'est un long, surtout Spring Boot, hein, on va voir un long délai avant que l'application démarre, là, plusieurs secondes et tout. On va voir aussi une consommation de mémoire assez élevée. Donc, vous voulez réduire ce footprint-là, vous voulez avoir des applications qui démarrent très rapidement, consomment peu. Quarkus, c'est le runtime pour Java. Qui est vraiment optimisé pour le monde des containers. 4 juin, c'est en anglais, par Ansible pour l'automatisation de Windows. 10 juin, c'est drôle parce que 10 juin, en même temps, dans le fond, Martin Sauvé et moi, on va faire la OpenShift 4 et Container Storage, donc OCS. Donc, c'est ça, le 10 juin, il va y avoir deux sessions
simultanément. Donc, une, Martin Sauvé et moi en français, et l'autre deux collègues de Toronto qui m'ont donné la session en anglais. Exact. Et là, j'ai mis les liens dans le chat. En fait, celle de français, j'ai pas le lien. J'ai seulement celle en anglais. Je sais que j'ai vu Dan qui est avec nous. Dan, je sais pas si tu peux regarder le lien. Je sais pas si c'est le lien à portée de main là, pour le copier. Parce que je devine que la plupart de nos auditeurs aujourd'hui vont être intéressés plus à celui en français qu'en anglais. Donc, si, en tout cas, si Dan, tu peux mettre la main dessus. Sinon, je vais la copier en fait sur YouTube dans le vidéo quand je vais l'archiver. Là, probablement dans le code d'après-midi ou lundi matin. Là. Donc, excellent. Merci, Martin. Prochaine section, c'est les nouvelles et trouvailles. Plusieurs petites choses intéressantes pour vous cette semaine. On va commencer avec une nouvelle qui était quand même assez attendue. En fait, c'est des questions que j'ai régulièrement de nos clients. Donc, la disponibilité, en fait, de Oracle 19C sur RHEL 8. Donc, c'est maintenant officiellement supporté et certifié aussi, pas juste supporté. Donc, je vous mets le lien de l'article qui mentionne les détails. Donc, pourquoi je trouve que c'est une nouvelle importante, peut-être que vous ne savez pas, là, mais si on regarde toutes les charges de travail aujourd'hui qui roulent sur Red Hat Linux, la base de données Oracle est de loin la plus utilisée sur RHEL. Donc souvent, RHEL 8 est sorti, ça fait déjà presque un an. Et on attendait, je sais qu'il y a des clients qui attendaient la disponibilité de la dernière base de données Oracle sur RHEL 8. Peut-être juste une petite note ici, je peux peut-être le mettre à l'écran là, pendant que je parle. Je ne veux juste pas me tromper de Python. C'est bon. avec tous les problèmes qu'on a eus. Là. Donc, c'est l'article, je l'ai mis, je viens de le mettre à l'écran. Juste aussi faire une petite note, c'est pas vraiment spécifié ici, là, mais si on lit, on pousse un petit peu plus l'article, là, vous allez voir que malheureusement, la base de données Oracle n'est pas certifiée pour rouler dans les cloud providers. Donc, si vous avez l'intention de rouler, par exemple, RHEL 8 avec Oracle 19 dans Azure ou dans Amazon, ce n'est pas supporté. C'est pas une imitation de nous ou des cloud providers. C'est vraiment Oracle qui retient ça pour l'instant. Donc, c'était la petite nouvelle sur Oracle aujourd'hui et Red Hat. Prochaine nouvelle, oui, je vais vous parler d'un autre canal Twitch. Donc, on est sur Twitch aujourd'hui. En fait, il y a d'autres initiatives intéressantes sur Twitch. Il y en a une, je pense, qui va vous plaire. Je vais copier le lien dans le chat qui est ici. Donc, c'est un canal de notre équipe OpenShift. D'ailleurs, ils étaient en ligne ce matin. On va regarder, on va aller voir ici. Donc, sur Twitch, je prenais ça en note, Red Hat OpenShift. Donc, c'est notre équipe OpenShift. Oui, ils sont justement en ligne en ce moment. Donc, on est en compétition. Oui, on est en compétition. C'est Diane qui est là. Bien oui. Donc, c'est un canal qui est maintenu, en fait, qui c'est tout nouveau. Là, ça a quelques semaines, deux ou trois semaines. Et il y a plusieurs épisodes par journée. Ils sont plus crinqués que nous autres, Martin. Nous autres, on est aux trois semaines, mais eux, ils sont à deux, trois épisodes par jour. Donc, si vous cherchez quelque chose d'intéressant à regarder sur Twitch, c'est un bon canal à regarder. OK. Prochaine nouvelle, Martin, c'est pour toi, ça, tiens. Ah oui? Oui. De quoi qu'on parle? Guide de sécurité OpenShift. Le guide de sécurité OpenShift, oui. C'est un document. Je vais partager mon écran. Dans le fond, je vais vous montrer ça un peu. Donc, un document de plusieurs centaines de pages. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, Tom? Oui, Miguel, oui, c'est bon. Tu vois bien? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, OpenShift Security Guide. Hein? Là, de plus en plus, on envoie nos applications en container. On regarde les différentes plateformes qui sortent. Hein, on va se le dire, des distributions Kubernetes, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs offres. Mais maintenant, quand on met nos ce qu'on appelle nos business critical applications, hein, c'est le cœur de notre business qui est là. La sécurité devrait être la priorité numéro un avant de prendre une quelconque décision. Donc, on a un beau guide ici, là, si vous regardez, c'est ça, ça l'a, si je change ici ma vue, comme ça. Donc, regardez ça, 309 pages.
vous allez me dire, wow, c'est décourageant, un nombre de pages comme ça. Mais j'ai highlighté juste quelques petites sections comme NIST, OK, ce qui est l'organisme, excusez-moi, le National Institute of Standard et Technology. Eux, ils ont en fait créé comme des familles de sujets finalement qui entourent la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire, des best practices et tout. Donc, on a passé à travers je dirais pas certification, mais je dirais à travers ces guidelines-là, si on veut, pour s'assurer que la plateforme, elle est compliant avec les meilleures pratiques de sécurité. On va parler aussi dans ce même guide-là de CoreOS, hein? CoreOS, pourquoi c'est important? C'est quoi le système immuable? OK? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on est plus sécuritaire avec un système comme ça? Donc, plusieurs sujets intéressants. Cryo, dans le fond, CRIO, qui est notre runtime de container, qui roule sur CoreOS. Aussi, je trouve ça le fun dans le document parce que on revient aussi à la base. Hein? Souvent, on parle de container, une bonne technologie et tout, mais on oublie de se rafraîchir la mémoire sur les concepts de base de Linux. Hein? Parce que le containment du container, on n'a pas réinventé la roue, on a juste pris ce qui existait, on l'a mis ensemble, on l'a orchestré, dans le fond, pour que ce soit utilisable. T'sais, Mount, cgroup, toutes les différentes façons de segmenter une application, de sécuriser une application, c'est tout expliqué dans ce guide-là. Regardez ici comment les namespaces, comment sont gérés les namespaces dans OpenShift, les accès par utilisateur, tout le RBAC est expliqué dans ça. C'est vraiment très, très intéressant. Et on va même jusqu'à regarder les Network Policy. J'étais vraiment content de voir cette section-là. Les Network Policy dans OpenShift qui permettent de prendre, dans le fond, d'isoler finalement le trafic entre différents pods. Donc, on regarde un peu, OK, c'est quoi un Network Policy, comment ça fonctionne. Mais regardez, ils vont même jusqu'à vous montrer dans la switch SDN en dessous comment ça se traduit, comment elle est implémentée, ma sécurité. Fait qu'en termes d'analyse et tout, on peut aller très loin. Et finalement, du côté CI/CD, donc évidemment, les best practices, comment je déploie une application, comment je gère le cycle de vie de mon application. Et on finit bien sûr avec nos images Red Hat, UBI, dans le fond, Universal Based Image. Pourquoi c'est important? On explique tout le concept derrière ça. Donc, très beau guide, je vous conseille fortement. C'est un livre, il est sur. Je crois que si on est client de Red Hat, qu'on a un compte, on y a accès automatiquement. Oui, oui, oui. Oui. Je m'étais fait avoir parce que je ne savais pas, puis il était sorti en pré-vente sur Amazon. J'avais vu ça passer. un livre virtuel à 4 $. Fait que là, j'ai téléchargé le fameux livre pour me rendre compte après que j'avais accès. Mais, anyway. C'est bien, Martin. T'as encouragé, Martin. Financièrement, t'as encouragé l'équipe. Exactement, ouais. C'est ça. J'ai encouragé ceux qui ont travaillé là-dessus. C'est ça. Donc, j'ai mis le lien dans le chat pour ceux qui veulent le télécharger gratuitement. Oui, c'est réservé à nos clients. Vous devez avoir accès à notre portail pour pouvoir télécharger gratuitement le PDF. Sinon, il est disponible, comme Martin a mentionné, en PDF. C'est un, ce que j'ai entendu dire, en tout cas, on verra avec le temps, mais c'est un document qui va évoluer dans le temps aussi. Là, donc, des choses qui vont être ajoutées prochainement dans ce guide-là. Donc, c'est à suivre. Dans les autres nouvelles et trouvailles cette semaine, Martin, petite surprise pour toi. On va commencer par une question. Lorsqu'on navigue sur Internet, tu navigues sur des pages web, c'est quoi le pourcentage, tu penses, de publicité que représente, quand tu navigues, en fait, le pourcentage de publicité qui t'est affiché, en fait? As-tu une idée? Bon, j'ai aucune idée, mais ça doit être énorme. Hein? Tout le metadata qui est envoyé à chaque fois qu'on clique sur un lien à gauche, à droite, puis aussitôt qu'on magasine sur un article en particulier, tu regardes pour des vélos, finalement, partout où tu vas avoir des annonces de vélos. C'est de ça que tu parles, hein? Oui, exactement. J'ai aucune idée. Okay. Vas-y, que tu as trouvé. Écoutez, c'est pas une science infuse, mais par contre, en fait, où ce que je veux t'emmener avec cette question-là, Martin, puis où ce que je veux emmener tout le monde qui nous regarde, c'est pas un produit, ça n'a rien à voir avec Red Hat. Okay? C'est un produit open source qui existe, qui va venir nous aider à
contrôler un petit peu ces publicités-là. En fait, Martin, tu sais qu'il y a des millions de projets open source. C'est sûr que dans les millions, c'est pas tous des projets qui sont super intéressants. Mais dans ces millions-là, il y a des perles. Je pense que j'ai trouvé une petite perle ici. Je tenais à le partager avec vous. C'est un... Je vais passer en plein écran. C'est un... Oups! Excusez. C'est un projet qui s'appelle Pi-hole. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et j'adore l'image qui est là. Ça représente très bien ce que ça fait. En fait, pourquoi Pi-hole? C'est initialement, je pense, le projet roulait uniquement sur Raspberry Pi. Maintenant, le projet est disponible en container et on peut le rouler sur n'importe quelle plateforme. Mais grosso modo, ce que Pi-hole fait, c'est que il bloque en fait les publicités au niveau DNS. Donc, quand on va sur Météo Média, par exemple, ou quand on va sur CNN, il y a une quantité astronomique de publicités. Juste Météo Média, Martin, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais des fois, l'Odessa, oui. Ça finit plus. Non, et on va faire le test ensemble. On a de la misère à voir la météo. Exactement. Donc, avec Pi-hole, ça bloque. En fait, comment ça fonctionne, je peux vous montrer un petit peu l'interface. Et là, vous allez avoir des données, pas des données confidentielles, mais ce qui se passe chez nous sur notre Internet en ce moment à la maison. Et c'est du temps réel, hein, c'est une interface en temps réel. Donc, j'ai installé Pi-hole sur un Raspberry Pi que j'ai monté. Il est même installé dans le garage, il n'est même pas dans mon bureau. Et je redirige en fait les requêtes DNS sur Pi-hole, sur l'adresse IP de mon Pi-hole. Et il y a un forwarder qui l'envoie sur mon serveur DNS pour résoudre les adresses internes. Mais regardez en temps réel, on voit là, quelqu'un qui est en train de naviguer en ce moment. Là. On voit toutes les requêtes DNS qui sont faites, la quantité bloquée. Regardez le pourcentage ici, là. 22% de ce qu'on consomme ici dans la maison, 22,5 maintenant, est bloqué par Pi-hole. Fait qu'on, c'est intéressant. Le site web, en fait, Météo Média, est beaucoup plus rapide à télécharger et d'autres sites. Puis, en fait, si vous regardez, on voit les statistiques ici en temps réel. Mais regardez, les domaines les plus bloqués chez nous, ben c'est Amazon. Amazon a une place de la publicité un peu partout. Et on a Pi-hole ici qui vient bloquer cette publicité-là. Écoutez, si vous êtes intéressé à voir la publicité, il ne faut pas installer Pi-hole. Mais si vous voulez sauver un petit peu de temps de navigation et sauver peut-être des malwares aussi, parce qu'en fait, Pi-hole va bloquer certains malwares aussi. Donc, c'est une belle solution. Ça s'installe vraiment facilement. Ça prend un petit Raspberry Pi, sinon on met ça dans un container, tout simplement. Donc, c'est une belle petite découverte que je voulais vous partager aujourd'hui. Avec vous. Donc, je fais un petit check de l'heure. C'est bon, midi 37, c'est bien. On continue. Dernière section avec notre sujet principal et j'ai oublié de présenter notre sujet principal avec tous les problèmes qu'on a eus, Martin, mais en tout cas, on aura la chance de le présenter un petit peu plus tard. Dernière section, c'est les dernières sorties. Donc, plusieurs petites sorties depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, je commence avec Red Hat Linux 8.2 qui est sorti le 28 avril dernier. Ce qui est intéressant, sans aller dans le détail, là, qu'est-ce qui est nouveau avec Red Hat Linux 8.2. Et vous allez peut-être être surpris, là, mais les gens qui ont tenté des migrations de RHEL 7.8 vers RHEL 8, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Donc, ça a été réglé dans RHEL 8.2. Donc, ça prend RHEL 8.2 si vous voulez upgrader à RHEL 8. Donc, ça a été corrigé. Donc, ça, c'est quelque chose qui accrochait beaucoup dans les derniers mois. Sinon, on a un nouvel outil qui vient compléter un peu la gamme de produits container. Donc, vous vous souvenez, dans les émissions précédentes, on a parlé de Podman, on a parlé de Builda, de Scopeo. Donc, on a un nouvel outil, un quatrième, qui vient un peu ajouter de la valeur à ce qu'on livre comme outil de container dans RHEL 8. Un outil qui s'appelle Udica. Udica, je pense, c'est comme ça qu'on le prononce, ou Udisa. Je ne suis pas sûr de la prononciation, je ne sais pas ce que tu en penses, Martin. Mais donc, ça vient inclus avec RHEL 8. Voulais-tu dire quelque chose, Martin? Non. Je veux dire, écoute, je pense que les deux sont bons. Puis, ouais. ça va finir qu'il va y avoir une prononciation en anglais et en français. Oui, effectivement. Mais le temps nous le dira. Ouais. Donc, c'est un projet qui permet de customiser ses règles sur Linux pour les containers, grosso modo. Et finalement, troisième point. Puis c'est sans doute le plus important, là, suite à la mise à jour de 7.8 vers 8.2, c'est on a rendu disponible un draft de DisoStick pour OpenSCAP pour RHEL 8. Donc, pour ceux qui utilisent OpenSCAP pour leur conformité avec Satellite ou en dehors de Satellite, maintenant, on offre cette capacité-là. C'est en mode draft, ça veut dire qu'il n'est pas complété encore. Mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui attendiez cette nouvelle-là, donc c'est maintenant disponible.
Dans les autres sorties en dehors de RHEL 8, le 29 avril, on a sorti un nouveau service sur cloud.redhat.com. Donc, j'ai déjà présenté certains services sur cloud.redhat.com. On viendra éventuellement parce que l'offre a été bonifiée beaucoup dernièrement. On a un nouveau service qui s'appelle Cost Management Service pour OpenShift. Donc, disponible dès maintenant sur cloud.redhat.com. Donc, si vous roulez un cluster OpenShift sur Amazon, vous allez avoir des coûts détaillés de votre environnement, des projections aussi, comment ça coûte rouler OpenShift, comment ça roule, ça coûte par projet même. Donc, je vous invite à aller l'essayer. Et Martin, on creusera peut-être ça dans un prochain épisode. Je pense que ça vaut la peine. Tout à fait. Et il y a d'autres cloud providers qui s'en viennent aussi avec Cost Management Service. Donc, ça suit. Tout à fait. Tout à fait. Ça va être un produit super intéressant, surtout quand... vous savez, la stratégie de Red Hat, qui est le Open Hybrid Cloud, de pouvoir avoir un cloud partout, peu importe le cloud public qu'on choisit. On veut un environnement pour déployer containers, puis on en veut on-prem aussi, on veut des environnements chez soi. On veut contrôler le coût de tous ces environnements-là et de nos utilisateurs de ces environnements-là. Donc, ça devient un produit plus qu'important dans la gestion de cet aspect. Excellent. Fait que Martin, il nous reste un petit 5 minutes pour présenter les dernières sorties. On va y aller la prochaine avec OpenShift 4.4 qui est sorti le 5 mai. Je vais te laisser sortir la lettre parce que c'est sûr qu'OpenShift 4.4, là, Martin, tu fais des présentations en ce moment. C'est 1h30, 2 heures que tu peux parler des nouveautés. On va essayer de faire ça en 2 minutes. Oui, oui. Ouais. En 2 minutes, en fait, si je m'attaque vraiment aux éléments clés. Parce que, comme Gaël dit, j'ai un deck de 100 quelques pages que je peux passer à travers avec des clients pour parler des nouveautés de 4.4. Mais ce qui est important de retenir, Kubernetes 1.17, OK? On suit toujours les versions. Donc, en 4.3, on était sur 1.16, 4.4, 1.17 et ainsi de suite. OpenShift Serverless, qui est native. Dans le fond, on tombe 100% supporté. On est GA. Aussi, Helm, il y a plein de clients qui sont venus nous voir, qui nous ont parlé de Helm dans le passé. On dit comment ça, Red Hat, vous ne supportez pas Helm dans OpenShift out of the box? La raison est fort simple. Helm 2 avait utilisé un serveur qui s'appelait Taylor. Ce serveur-là, si je vous explique là, très rapidement, roulait, avait besoin de trop de privilèges sur la plateforme. Et il devait rouler dans le Kube System, finalement, dans le namespace system. Donc, ce n'était pas approprié d'un point de vue sécurité. Avec la version 3 de Helm, ils ont réglé ça. Ils ont réglé leur dépendance à Taylor. Et puis, maintenant, on le supporte pleinement. Aussi, les pipelines. Bon, je sais qu'il y a plein d'outils qui existent un peu partout. Mais Red Hat a décidé d'aller vers Tecton. Tecton, qui est un engin de CI/CD 100% cloud native. OK? Donc, je n'ai plus de build server à configurer, à maintenir, à installer. Tout est fait via des ce qu'on appelle des CRD, des Custom Resource Definition dans OpenShift. Donc, c'est comme ça qu'on définit notre pipeline. Maintenant, c'est intégré dans la console d'OpenShift et c'est en tech preview. Donc, on prévoit GA, la prochaine version 4.5 et 4.5 prévue au mois de juillet. OK? Excellent. Excellent, Martin. Et je pourrais dire la dernière nouveauté, parce que là, ça nous amène vers le sujet du jour, qui est CNV, Container Native Virtualization. Maintenant, on peut rouler des machines virtuelles sur OpenShift. Donc, en Tech Preview, on vise GA 4.5 ou 4.6, c'est en cours. Excellent. Fait que deux petites choses avant d'embarquer dans le sujet principal aujourd'hui qui va être CNV, comme Martin vient de mentionner. On a aussi annoncé le 12 mai en dev preview, la disponibilité des container Windows. Donc, c'est un sujet qu'on va toucher éventuellement dans un prochain épisode. Là, j'aimerais ça qu'on puisse le démontrer. Là, ce qu'on va montrer tout à l'heure dans la démonstration, Martin, on va rouler des machines virtuelles Windows dans OpenShift. Mais là, ici, on va pouvoir éventuellement rouler des vrais containers Windows dans OpenShift directement. Donc, ça s'en vient. C'est disponible en développeur preview pour l'instant. Et dernier petit point, en fait deux, Quay 3.3 qui est sorti le 13 mai.
Koué qui nous amène un nouvel opérateur, Koué Bridge. En fait, ce que Koué Bridge vient faire comme opérateur, c'est qu'il vient aider à remplacer ou mettre, je ne serais pas en force, mais mettre par défaut l'utilisation de Koué comme registre officiel dans OpenShift. Beaucoup de petites améliorations aussi au niveau de l'opérateur de Koué en soi aussi qu'on a relâché dans la dernière version, la version 1. Maintenant, on a fait des améliorations au niveau de l'opérateur Koué directement lorsque c'est le temps de déployer Koué en fait sur OpenShift. Amazon Red Hat OpenShift qui a été annoncé le 14 mai. Donc, pour ceux qui sont au courant des offres gérées OpenShift, on avait Microsoft avec Arrow qui vous offre de consommer OpenShift à la demande. Donc, on clique, puis on a un OpenShift, on l'utilise 15 minutes, puis on le ferme, c'est fini. C'est le même principe, ça s'en vient avec Amazon aussi, on l'a annoncé avec eux. Donc, il y a un preview qui s'en vient dans quelques semaines, sinon il y a un GA plus tard dans l'année. Donc, je pense qu'on va poursuivre, Martin, avec le sujet principal aujourd'hui, qui est en fait une présentation de quelques slides, Martin, sur CNV pour introduire les gens à CNV, mais CNV qui est Container Tout à fait. Network Virtualization, qui est Covert, en fait, le projet Open Source Covert. Donc, Martin, je vais te laisser, je vais te donner la parole là-dessus, tiens. Oui, exactement. Puis là, je veux peut-être parler sur le pourquoi, hein? Parce que là, on parle tout le temps de containers et tout. Puis pourquoi on veut faire ça, en fait, c'est vraiment pour vous donner des outils, OK? Donner des outils à nos clients pour accélérer la mise en place ou la migration des applications vers le monde des containers. Vous allez voir qu'on va pouvoir déployer une machine virtuelle avec une application legacy ou autre ou monolithique. Puis ensuite, on va pouvoir transformer une partie de cette application-là. Bref, commencer à migrer vers le microservice. Donc, si je me lance un petit peu ici, avant de rentrer dans le côté Kubernetes, pure Kubernetes de la chose, on va juste se mettre à niveau sur qu'est-ce que KVM. Hein? KVM, c'est une technologie vieille. En fait, c'est une compagnie qui avait parti ça. Je vais vous sortir. En fait, je vais vous montrer ça tout de suite ici dans Wiki. Donc, si on lit ici, Quaranet, qui a été acheté par Red Hat en 2008. OK? KVM a commencé là. Donc, c'est une technologie qui est plus que mature, qui a fait ses preuves. Puis, ce qui est vraiment surprenant, puis moi, ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est qu'on prend cette même technologie-là encore et on est capable de la faire fitter dans le monde des containers aujourd'hui en 2020. Donc, Martin, oui. juste, on ne te voit plus là. On voit, quand tu présentes le plein écran, là, on voit comme juste le côté de ton visage. Peux-tu te tasser un Ah, petit peu OK. plus au Ouais, centre? c'est ça. Je me suis placé. Ouais, Je me suis pas de déplacé. problème. Encore une fois, avec toutes Désolé. nos histoires de caméra et tout. Ouais. Actuellement, c'est correct? C'est Oui, bon? c'est bon, oui, c'est bon. Oui? OK. Donc, regardez le petit diagramme. Ça, c'est un diagramme que j'ai pris sur le site de Red Hat, de RHEL 6. Mais ça ne change rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est KVM, c'est quoi? En fait, c'est l'accélération matérielle pour les machines virtuelles. OK? Et comment la machine virtuelle est opérée, comment elle est gérée aujourd'hui avec KVM, c'est tout simplement un processus en mémoire, hein? QEMU. Si on fait PS, moins F, puis on regarde la liste des processus, on va voir QEMU, KVM, puis les différents paramètres de notre application. OK? Fait qu'on part avec cette base-là. Donc, là, vous allez me dire, Martin, qu'est-ce que tu fais? Tu parles toujours de container, puis là, tu nous reviens encore. Tu nous reviens avec des histoires de VM, des vieilles histoires qu'on parlait il y a 10-15 ans. Ça ne marche pas. Comme je vous dis, on veut moderniser l'application. On veut aussi donner une plateforme unique. On veut plus. Qu'est-ce qui va rester à la fin? Hein? Quand vous allez embarquer dans votre processus de migration et aussi dans les stratégies d'entreprise, hein? J'ai vu des entreprises qui ont carrément dit, nous, on a une approche container first. Avant de déployer une VM, tu dois justifier pourquoi. Donne-moi la justification pourquoi tu as absolument besoin d'une VM. Mais dans un monde comme ça fait vraiment, ça prend tout son sens. Au lieu d'avoir une plateforme IaaS, que je nommerai pas, puis avoir OpenShift par-dessus, puis mélanger ces plateformes-là, puis avoir des équipes de gestion différentes, pourquoi
pourquoi pas juste avoir une plateforme Kubernetes, entreprise, sur laquelle je peux rouler les deux workloads différents. Okay? Donc, encore une fois, on se remet à niveau. Donc, qu'est-ce qu'un pod? Hein? C'est quoi un pod? En fait, j'ai une application qu'on roule dans un container. Le container roule dans un pod, idéalement un container pour différents usages. Quand on veut accéder, quand l'usager veut accéder à son application, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va se connecter sur ce qu'on appelle le ingress router de la plateforme. On va regarder le path URL. Hein? Selon l'URL qu'on a choisi, on va être redirigé vers le service qui va nous envoyer vers le fameux pod. Ben, imaginez la même chose pour une VM. Donc, au lieu d'avoir containerisé un process qui s'appelait Java ou Python ou autre, on a containerisé le process qui s'appelait QEMU. Okay? Bon, beaucoup plus complexe que ça, quand vous allez voir tantôt, il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait pour faire toutes les intégrations, mais à haut niveau, c'est ce que ça fait. Hein? On a containerisé le même process. Donc, et regardez jusqu'où je pourrais aller. Hein? Je peux me servir de toutes les composantes de Kubernetes qui sont en avant mes applications. Comme je pourrais dire à mon ingress router, hey, mais pour telle path URL, tiens, viens vers le container qui est ici, sur ce node-là. Mais pour tout le reste, parce que je n'ai pas fini de moderniser mon application, on va continuer à envoyer le trafic sur la VM. Et puis, finalement, vous allez me dire, OK, c'est beau, parfait, on a roulé la VM en container, c'est parfait. Maintenant, comment je peux la gérer de façon traditionnelle? Parce que ça reste une VM, hein, ça reste une machine Linux, une machine Windows, peu importe. J'ai des outils de gestion qui doivent se connecter. Est-ce que je dois faire des node ports puis un paquet d'artifices? Non, pas nécessairement. Je peux même me connecter. Je peux connecter mes machines CoreOS directement sur mon réseau existant, OK, un VLAN ou autre, réseau physique. Puis, avoir une deuxième interface sur ma VM pour ces besoins de connectivité-là. Exemple, Ansible. Exemple, une machine. On avait installé les serveurs de base de données sur des machines physiques, par exemple. On veut y accéder sans avoir de NAT ou autre artifice. Alors, tout ça est possible et je vais vous le démontrer aussi. OK? Donc, sans plus tarder, on va aller dans la plateforme et on va regarder qu'est-ce que ça donne une fois tout intégré. Donc, regardez ici, j'ai ma plateforme, j'ai mon storage. Évidemment, on a parlé d'OCS la dernière fois. Eh bien, ma virtualisation va également tirer profit de OCS. Donc, mes disques, hein, parce que mes machines virtuelles ont besoin de stockage, ont besoin de disques. Et j'ai besoin, dans ce cas-ci, de bloc storage. Donc, OCS, Ceph, va me fournir cette capacité-là. Et parce que j'ai OCS, parce que j'ai un stockage qui permet de faire du read-write many, je vais pouvoir faire des migrations, des live migrations de mes VM. OK? Donc, si je regarde ici, j'ai déjà des... j'ai déjà des machines virtuelles qui sont parties. On va regarder ça par la suite. Et on va regarder ici comment je pourrais déployer une nouvelle machine virtuelle. Imaginez qu'on n'utilise plus les fameux GUI obscurs qui nous permettent de définir une machine virtuelle et qu'on s'en va dans du vrai GitOps. Hein? Je peux définir ma machine virtuelle dans un format YAML, un format que je connais, le même format avec lequel je déploie mes applications modernes. Alors, au lieu d'être un kind deployment ou service ou route ou n'importe quelle référence à Kubernetes, j'aurai un kind virtual machine. Okay? Alors, on définit la machine virtuelle. Et regardez ici, je peux même, si je connais l'URL vers la machine virtuelle, vers le disque, hein, Cloud Init, entre autres sur CentOS, on peut aller directement chercher sur Internet le QCloud 2, qui est l'image cloud de CentOS. On peut tout simplement mettre l'URL dans la définition. On met, bon, le nom de l'application, le boot order des disques,
les interfaces, la réseautique. On va aller beaucoup plus en détail dans la réseautique un peu plus tard, mais là, on va commencer avec ce petit use case-là. Et j'ai une image cloud, j'ai besoin d'un cloud init, je peux aller mettre, comme ici, on est très, très loin des bonnes pratiques de sécurité, on veut faire une démo qui est très simple, donc vous voyez le mot de passe que je vais appliquer à l'instant. Donc, si je regarde sur quel projet je suis, Twitch Demo 1, qui est ce démo-là, on va déployer une nouvelle VM. OK? Donc, j'applique comme si je déployais n'importe quelle ressource Kubernetes. Alors, au CApply, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé la machine virtuelle. Mais pas juste la machine virtuelle. Vous allez voir tous les artifices qui sont là, tous les trucs pour vous aider à gérer tout ça. Donc, si je regarde les pods, qu'est-ce qui s'est passé? Un importer pod qui est en train de rouler. Pourquoi j'ai un importer pod? Parce que j'ai spécifié une image QEMU qui est hostée sur Internet. Je dois accéder à cette image-là. Vous comprenez? Donc, j'ai ce pod-là qui est responsable uniquement d'aller faire le téléchargement de l'image. On va mettre l'image sur un disque. Hein, si je regarde ici au niveau des claims, Apsys Root Disk, qui est mon tout nouveau disque de 10 gigs qui a été provisionné. Et ce, dynamiquement, pourquoi? Encore une fois, parce que j'ai OCS aussi en dessous. Et regardez l'intégration. Tu regardes dans l'écran d'accueil de OpenShift. Regardez l'intégration. Ici, je vois le importing VM, disque. Donc, on a l'intégration. On voit à quel pourcentage je suis rendu dans le download de cette image-là. OK? Donc, si on retourne ici au niveau des pods, donc notre importer, il n'a pas terminé. Quand il aura terminé, vous allez voir qu'il va partir le pod associé à la machine virtuelle. En attendant, on peut regarder le statut de la machine virtuelle. On voit Apsys qui est en statut importing ici. OK? Et on peut naviguer pendant que l'import se termine. Donc, vous voyez, là, il est starting. Donc, l'import est terminé. On peut regarder un petit peu les différents détails. Donc, boot order, CD-ROM, si on voulait en ajouter. Le pod qui est associé, hein, parce qu'en arrière, c'est un container. On l'a dit tantôt, hein, la machine virtuelle. Donc, ici, c'est un... le type machine virtuelle, qu'est-ce qu'il fait? OK, c'est comme le plus haut niveau d'hiérarchie dans CNV. Donc, machine virtuelle qui va partir un VMI, dans le fond, qu'une instance de cette machine virtuelle-là, et le VMI, finalement, qui va générer un pod. Et le pod qui va être finalement le container, contenir le container qui roule, qui exécute l'image. Donc, avant d'aller, on peut aller directement dans la machine virtuelle, on peut regarder la console. Regardez, ben c'est ça, c'est une machine Linux qui boot. Donc, j'ai accès à la console de ma VM directement à partir de l'interface d'OpenShift. Ça, c'est très bien. Bravo, sérieusement, aux gens qui ont fait l'intégration du projet Kubevert dans le produit commercial. C'est vraiment extraordinaire. Beau travail. Si on regarde au niveau du pod, parce qu'on va aller voir un petit peu la mécanique en dessous, hein, si vous avez, surtout si je m'adresse à des gens qui ont touché à KVM, vous avez sûrement bien des questions à savoir comment tout ça est accroché ensemble. Regardez, Vert Launcher Apsys, c'est le pod en arrière de la VM. Si je clique dessus, on va aller en terminal. Okay? Ne faites pas ça à la maison, on va juste regarder. Alors, qu'est-ce qui roule? VRSH, list. Vous voyez, les mêmes commandes, c'est KVM. En fait, on a réutilisé la même technologie qui existe, qui est stable, qui est éprouvée depuis des années. Et on pourrait faire même, on pourrait regarder, on pourrait tricher, aller voir la définition XML. On n'a pas besoin de voir ça, mais on a accès à l'information. Alors, regardez ici. Vous voyez le device avec une interface réseau qui est ici. Alors, si on regarde les interfaces réseau, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé une interface. Dans le fond, on crée comme un lien point à point. Donc, ça, c'est une connectivité réseau entre le container et la VM. Donc, la VM va avoir 10.0.2.2 probablement et son default gateway va être 0.1. Et le pod va router le trafic via l'interface par défaut. Le 10.130, c'est l'interface SDN, l'interface SDN d'un pod habituel. Okay? Donc, c'est un peu ça la mécanique. Bon, si on regardait les IP tables,
les table rule, vous allez voir, il y a du mascarade parce que là, vu qu'on parle de la VM, on sort avec l'adresse IP du pod, on doit faire un ATTIN. Bon, bref, toute la mécanique s'explique de cette façon-là. Donc, si je retourne à la machine virtuelle, app 6, excusez-moi, console, alors, je peux cliquer et carrément me loguer dedans. Et si je regarde mes interfaces, vous voyez, 10.0.2.2. Route par défaut, 10.0.2.1, qui est mon pod. Mon pod va me router vers l'interface SDN de OpenShift et puis on va pouvoir sortir. OK? Donc, on a fait le tour ici de ce que je voulais voir pour partir d'une machine virtuelle de type cloud. Et maintenant, vous allez me dire, OK, c'est beau. Je peux, avec CentOS, ça va bien. Avec, bon, peu importe la distribution, ça va bien aller. Maintenant, je vais installer Windows. Je vais installer, j'ai déjà mon ISO custom, tout ça. Comment je peux faire ça? Bien, libvirt, dans le fond, dans le projet, pas libvirt, dans le projet kubevirt, excusez-moi, qui est ici, dans le fond, kubevirt.io, ils ont développé aussi un CLI, OK? Donc, excusez mon changement d'écran. Alors, ils ont développé un CLI qui s'appelle virtctl. Si je fais virtctl, comme ça, on regarde le panneau d'aide. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on peut accéder à une console, on peut partir une machine virtuelle, on peut l'arrêter, on peut changer l'état et on peut aller faire une image upload. Fait que je vais vous le montrer. Dans le fond, on va partir le process, mais on va le laisser rouler en arrière-plan parce que c'est quand même assez long. Donc, si je regarde, si j'avais préparé une commande, donc, pour exemple, aller uploader le ISO de Windows, l'installation de Windows. OK? Donc, je vais faire virtctl, image upload, data volume. Vous allez voir pourquoi il y a un data volume, parce que data volume devient comme un méta, encore une fois, une méta ressource qui, elle, s'occupe de gérer les PVC et des pods pour l'importation d'images. On va dire spécifier la storage class. Encore une fois, ça va bien. J'ai OCS ici, qui peut marcher en bloc, et le size, dans le fond, la grandeur de mon disque. Donc, si je prends ça ici, juste pour valider mon projet, en fait, je vais aller sur... Je vais me changer de projet. On va aller sur Demo 2, parce que sur Demo 2, on a notre autre VM. Donc, si je passe ici, qu'est-ce qui se passe? Data volume created, waiting, on voit ici, là, waiting for PVC, puis upload pod to be ready. OK? Donc, on s'en va dans la console, on regarde qu'est-ce qui se passe en arrière-plan, dans Demo 2, ici. Alors, voyez ici, CDI upload container. Lui, il est creating actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va écouter. Hein? Il va ouvrir un socket. Il va écouter et il va permettre à la ligne de commande de télécharger son image et de l'envoyer sur un des volumes que j'ai dans OpenShift. Okay? Donc, après ça, une fois que j'ai téléchargé mon ISO, téléversé mon ISO sur OpenShift, alors, je vais pouvoir l'utiliser pour partir de machine virtuelle. Donc, à quoi ça ressemblerait? Là, vous allez me dire, OK, j'aime ça, et le YAML et tout, mais y a-tu comme des helpers, des assistants? Oui. Y a-tu un GUI? Ben oui, il y en a un GUI. Regardez, New with Wizard. OK, donc, je peux créer une nouvelle machine virtuelle, et là, je pourrais aller à partir d'un URL, hein? Donc j'aurais pu mettre l'URL du CentOS ici, mais moi ce que je veux, c'est le partir à partir d'un disque, OK? Et là mon disque n'existe pas, je viens de me rappeler que j'ai oublié de créer un disque parce que là je vais partir d'une machine qui est vide, là. Je veux l'installer avec un ISO, donc je fais juste un petit step back, excusez-moi. Alors au niveau des... Donc je m'en vais dans mes claims ici, puis je dis OK, moi je veux une nouvelle machine. Donc, on peut utiliser un ou l'autre. Ça, c'est pas très grave. Donc, Windows Demo. Read-write mini. 25 gigs.
Hein? Windows, ça prend de la place. Et on crée ça. Hein? Puis, donc, parfait. On a notre PVC. Ça va être notre disque qui est vide, qui est prêt pour installer Windows. Donc, là, je m'en vais dans mes machines virtuelles. Je retourne à l'assistant. Je dis que ma VM sera sourcée d'un disque existant. Hein? Ma VM sera une Windows 2019. Vous allez voir, il y a une raison pourquoi il demande le système d'exploitation. Et vous allez voir à quel point c'est bien pensé. Donc, je vais mettre des quantités de RAM, quantité de CPU, le nom de ma VM. Donc, on avait dit Windows Demo. C'est ça? Next. Mes interfaces. On va regarder du côté networking tout de suite après. On va aller un petit peu plus loin. Donc, mes disques, parce que j'ai dit que j'allais utiliser un disque existant, alors je vais attacher un disque sur un PVC qui est mon Windows Demo. OK? Donc, j'ajoute ça et je dis que ce disque-là est le disque de démarrage. Donc, j'en viens ici. Windows, je n'ai pas de Cloud Init. Donc, Next. Regardez, Attach CD-ROM. Donc, on est vraiment là comme vous le disiez, mais avec une plateforme actuelle. Donc, attache disque, je regarde mon ISO. Là, je ne vais pas prendre le démo parce que le démo est en cours d'upload. Hein, je vais vous montrer le processus. Je vais prendre celui que j'avais déjà, donc 2019 ISO. Et je vais le mettre en SATA parce que par défaut, Windows ne découvrira pas les drivers Virtio. Hein, il va falloir les installer. Donc, Add. Next. Et Create VM. Donc, ma machine virtuelle, elle est créée. Je m'en viens voir les détails. Donc, si je la pars tout de suite, ça ne marchera pas parce que le boot order contient uniquement le disque 0. Donc, il faut penser à aller ici, le changer, ajouter la source. Donc, mon CD-ROM que j'ai ajouté, je fais save là-dessus. Donc, on va essayer de partir sur le disque. Ça ne marchera pas. Maintenant, on va aller voir le CD-ROM et là, on va pouvoir démarrer la VM. Alors, Start Virtual Machine. Je clique sur Start. Qu'est-ce qui se passe? On a un pod qui est en train de s'instancier, de se créer. On va regarder les événements. Dans le fond, on peut regarder. On attache les volumes, le PVC, les différents PVC. Donc, probablement un pour le ISO et un pour le disque. On va rouler sur Master 2. On a notre image. On a poulé l'image. Regardez ici. Regardez comment c'est beau. Hein? On a mis un sidecar container sur notre Vert Launcher qui contient les guest tools. Donc, tous les outils nécessaires pour les drivers KVM pour Windows. Dans le fond, le fameux, le Vert Tool, il est intégré, il va être disponible. Et pourquoi qu'on l'a mis là? C'est parce qu'on avait sélectionné la machine de type Microsoft Windows. Donc, la plateforme a décidé d'attacher ce container-là. OK? Donc, si je retourne au niveau de la machine virtuelle, Windows Demo, console, alors, qu'est-ce qu'on voit? Loading files. Bon, bref, on va pas se taper l'installation de Windows parce que là, je pense que ça va être des désabonnements qu'on va avoir. Là. Non, pas des abonnements. Effectivement. Et bien, je veux juste le laisser partir au complet, là, que vous voyez là, l'écran d'accueil là, de. Mais Martin, peut-être une question pendant que ça oui. Roule. Là, ton OpenShift, il roule sur l'équivalent d'un bare metal ou t'es virtuel ou bare metal? Oui, ça prend absolument. Oui, bonne question, Michael, parce que si vous voulez vous lancer, vous voulez l'essayer, ça vous prend les fameux flags de virtualisation dans les CPU, autrement dit le VMX hein, pour du Intel et le SVM pour AMD. En tout cas, je peux me tromper un peu de l'acronyme. Mais, donc, on ne roule pas ça sur Azure ou Amazon. Oui, exactement. Donc, j'ai le goût quand même. On a-tu... Oh non, on n'a pas le temps. OK, parfait. En tout cas, bref, les outils de virtualisation étaient les outils pour détecter le disque dans KVM. Ils sont présents. Ils vont être accessibles à partir du logiciel d'installation.
Donc, une fois monté, qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai marqué ici Old App IIS. OK, j'ai ma console ici, regardez. Hein? Trouvez-vous ça weird, hein? Voir OpenShift, produit Linux, puis là, on voit un écran de Windows à travers ça. Moi, j'ai installé IIS dessus, hein, parce que je veux simuler que j'ai une application qui est peut-être, bon, que j'ai de la misère à moderniser ou qui est très grosse, très lourde, et puis je vais devoir la moderniser petit peu par petit peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé IIS et ensuite, j'ai utilisé la commande, la fameuse commande vert-ctl. Regardez, je peux faire un vert-ctl expose. Donc, je peux dire, OK, ben le port 80, OK, de la machine XYZ, je veux l'exposer. Alors, qu'est-ce que cette commande-là fait? Elle va créer un service. Donc, old app IIS HTTP. Ça, ce service-là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est quand j'ai tapé la commande vert-ctl expose, ça l'a créé automatiquement et là, ça l'a associé mon vert launcher pod sur le service. Et là, moi, j'ai déjà mes certificats d'installer. Hein. Regardez ici, là, j'ai déjà mon certificat qui est valide sur ma plateforme, un certificat de Let's Encrypt que j'ai fait. Donc, ce certificat-là est au niveau du Ingress Router d'OpenShift. Donc, toutes les applications que je veux sécuriser à travers Ingress Router peuvent utiliser le même certificat. C'est un wildcard. Hein? Donc, regardez, on peut faire la même chose. On peut exposer notre application IIS exactement de la même façon. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je regarde une route. Donc, je mets un hostname pour la route et je dis TLS terminaison Edge. IIS n'a aucune idée qu'il va se faire encrypter, que le trafic va être encrypté entre le client et la plateforme. IIS va juste fournir on va juste répondre sur le port 80 de façon claire. Et puis, l'encryption va être prise par le Ingress Router de OpenShift. Donc, si je clique sur la route, hein, ici, oh, j'ai IIS. Parfait. Maintenant, imaginez, j'ai cette application-là. Je veux moderniser une partie de l'application. Donc, et ça sera, par exemple, new slash new app. Okay? Si je fais slash new app maintenant, ce que vous voyez, la page que vous voyez, c'est IIS. Je ne l'ai pas faite. Mais imaginons que j'ai une page actuellement, que c'est mon ancienne application qui roule sur new app, okay? Sur IIS. Et puis, j'ai un développeur que je viens d'engager, il me dit, moi, je travaille en Python, je travaille en Node.js, je travaille en peu importe le langage, je veux écrire mon service comme ça, ça va prendre beaucoup moins de temps. OK, parfait. Donc, on regarde ça. Je regarde ici au niveau du développeur console. Ben oui, j'ai mon application Python que j'ai ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas grand-chose, mais si je fais slash new app sur mon application, c'est ma nouvelle application Flask. Donc, j'aimerais ça utiliser ce code-là du côté ici à IIS, je veux que ça réponde comme ça. Ben écoutez, c'est aussi simple que de créer tout simplement une nouvelle route. Donc, je vais utiliser exactement le même host. Je vais prendre un path en particulier. Ce path-là va être redirigé vers ma nouvelle application. Donc, qu'est-ce que je vais faire? OC apply new service. Je vais regarder si je suis dans le bon projet. Oui, parfait. Donc, OC, apply, new service. Donc, je crée ma nouvelle route. Et si je reclique ici, vous voyez? Donc, la même application, j'ai une portion d'application qui est allée en container, l'autre portion d'application qui est allée sur la VM. Quand je dis, on ne veut pas forcer personne à remplacer son engin de virtualisation actuel. On veut aider, donner les outils pour s'éloigner de la virtualisation. Hein? On veut amener les VM là pour éventuellement essayer de les utiliser le moins possible et de les faire disparaître. Et c'est comme ça qu'on peut le faire de façon itérative, hein, selon toutes les techniques qu'on connaît en entreprise. Dernière chose, et là je déborde. Ben écoute, Martin, avant, peut-être un point important. Je pense que oui. Tu devrais monter avant qu'on termine parce qu'effectivement, on approche la fin. Oui. Là, c'est bien beau, on crée de nouvelles VM, tu as uploadé des ISO, mais là, la plupart des clients aujourd'hui ont déjà un environnement virtuel, ils ont déjà VMware en place. Est-ce qu'il y aurait moyen d'aller prendre ce qui est déjà en place puis l'emmener dans cette plateforme? Ben écoute, les gens qui ont intégré KubeVirt dans OpenShift,
Ils ont pensé à la même chose que toi. Puis regarde ici, Import with Wizard. Okay, je clique avec là-dessus. Un beau GUI en plus. Un beau GUI, hein, VMware. Hein, regardez, hein, VMware. Ah! Create a new instance de vCenter. Et voilà, je rentre le hostname de vCenter, username, ouais. Password. Magnifique. Et puis, je vais chercher ma VM. Ça va faire l'importation. Ça va créer les disques. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça. En terminant, oui, donc, juste en terminant, ici, oui. Je retourne dans mon autre projet, le Multinic démo. Écoutez, parce que c'est super important de le voir. Oh, pas ici, excusez-moi. Oh, dans les machines virtuelles. Donc, le Multinic démo. Si je clique sur ma VM, regardez, je peux intégrer plusieurs interfaces. Je peux créer une interface de type bridge. Donc, je peux manipuler les bridges, les interfaces réseau sur mes machines PowerOS, créer un bridge et attacher ma VM dessus. Donc, qu'est-ce que ça donne comme look and feel du point de vue de la VM? Si je fais IP address, je regarde, c'est quoi mes interfaces? J'ai maintenant deux interfaces. J'ai l'interface SDN, hein, la première, 10.0.2.2. Et j'ai une nouvelle interface qui sera un VLAN complètement extérieur à tout ça. Et qu'est-ce qui me permet c'est tous des choix stratégiques. On dirait que tous les bons choix, les bonnes technologies ont été mis en place. Red Hat a travaillé avec Intel sur Multus. Multus qui est notre CNI. Puis Multus qui est comme un CNI de plus haut niveau qui me permet d'avoir plusieurs CNI, dans le fond, plusieurs interfaces réseau de différents types, là, que ce soit SRUV, Bridge ou autre. Donc, tout ça pour finir, si je me lève, ça j'aurais pu. Si on n'avait pas eu nos petits problèmes techniques, j'aurais été déjà connecté dans ce système-là. OK, mais ça sera pas long. Juste une petite seconde. OpenShift. Donc, ça, c'est une VM qui roule à côté de. De mes nœuds OpenShift, OK, sur le même réseau. En fait, j'ai créé un réseau à part juste pour ça. Dans le fond, le réseau orange, là, si on se rappelle ici, le fameux réseau orange qu'on voit en bas. Donc, ça, c'est 192.168.77.77/24. Donc, si je ping 159, vous voyez, ça répond, c'est ma VM. Alors, à partir de là, je peux rentrer directement dans ma VM en n'utilisant pas le SDN d'OpenShift, en ne faisant pas, bon, évidemment, là, mon IP a changé, ou en tout cas, peu importe. Donc, bref, ouais, c'est parce que je l'ai remonté tantôt, puis le password d'authentification n'est pas permis, la clé SSH n'est pas permis, mais vous voyez que je communique directement avec la machine. Donc, je peux vraiment gérer tous les use cases de connectivité. Alors, super. Excuse-moi, Mickaël, je déborde encore. Non, je vais encore déborder. Mais c'est intéressant. J'espère que j'ai eu le temps de tout te montrer. Écoute, peut-être juste une dernière. OK, je te redonne l'écran. Dernière, si tu me le permets. Regardez ici, ça, c'est la façon qu'on va configurer. En fait, on est des Node Network Configuration Policy. C'est tout nouveau. OK? Regardez comment on configure un Linux Bridge. Hein? Déclaratif. Desired State. Qu'est-ce que je veux? Je veux que l'interface physique ENS6 sur ma machine, sur mon compute, mon worker node, soit accroché au Bridge BR6. Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement créer le Linux Bridge de façon déclarative, de façon GitOps, hein, sur mon environnement. Et après ça, ça va être utilisable pour CNV et autres. Use case. Donc, là, j'ai fini. Excellent, Martin. Super démonstration, encore une fois. Excellent travail. Malgré les problèmes techniques, tout a super bien marché. Donc, bravo, Martin. J'espère que ça, pour les gens qui nous regardent, ça vous a donné le goût d'essayer. C'est vraiment bien. Enfin, Martin, si tu permets, je reprendrai une de tes citations que tu as faites dans une présentation qu'on a eue ensemble pour expliquer un petit peu ce qui se passe sur le marché avec ces technologies-là. Donc, il y a de la compétition dans ce marché-là. Dans le fond, on a un compétiteur, pour ne pas le nommer, qui utilise maintenant Kubernetes sur sa plateforme de virtualisation. Mais moi, j'ai une question. La question que Martin pose, c'est est-ce que vous voudriez rouler la prochaine génération d'applications sur une vieille plateforme ou bien rouler vos VM sur la plateforme du futur?
Donc, c'est bien ça. Exact. 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 Ouais, ouais. Tu l'as même amélioré, je trouve. Je l'ai amélioré. Tu as mis ta sauce. C'est bon. J'ai mis ma sauce, effectivement. Donc, super. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Désolé encore une fois pour les petits pépins. Puis d'ailleurs, le visuel aussi, là, Martin et moi, on l'avait travaillé ce matin. On l'avait tout super bien tuné. Et Martin a redémarré son poste et on a perdu tout ce qu'on avait fait ce matin, finalement. Fait qu'on l'a ajusté, là, les 3-4 dernières minutes avant qu'on rentre en ligne. J'étais en train de designer le tableau dans OBS et j'ai fait de mon possible, mais j'ai vu que c'était pas parfait. On a dû switcher de Skype à Google Meet. On n'avait pas fait de test avec Google Hangouts. Ça s'est bien passé, mais là, j'ai vu qu'il y avait quand même des petites latences. Sachez que moi et Martin, on va travailler sur une autre solution pour le prochain épisode. On pense qu'on a quelque chose d'encore beaucoup mieux que ça. Donc, on va faire les tests, puis j'espère pouvoir... Martin, j'espère qu'on va être capable d'utiliser cette nouvelle méthode-là pour la prochaine rencontre. Je suis convaincu que ça va être beaucoup mieux. Oh oui, c'est certain. Excellent. Donc, merci Martin encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit dans 3 semaines. Merci à tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Bonne journée.